Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui, on va parler du film Red Sparrow de Francis Lawrence. Après les trois Hunger Games, Red Sparrow est la quatrième collaboration du réalisateur avec Jennifer Lawrence. L'histoire. Moscou. Dominika est une jeune ballerine prometteuse dont la carrière est brisée suite à une chute. Elle est recrutée par les services russes contre sa volonté et s'impose rapidement comme l'une des meilleures espionnes. Ce qui m'a plu tout d'abord, c'est que chacun des protagonistes tente de survivre par tous les moyens. Ils sont tous dans un double ou triple jeu, on ne sait jamais quelles seront leurs prochaines actions. Subtil. Cette sensation d'insécurité se traduit par des cadres très éloignés des personnages, des angles de caméra inhabituels, tels que des caméras de surveillance. Ajoutez à cela une palette de couleurs à la fois sombre et teintée de rouge pour asseoir l'atmosphère anxiogène. Le travail sur la symétrie et le grandiose des intérieurs enferme les agents dans un puzzle de manipulation. Côté acteurs, Jennifer Lawrence et Matthias Schoenaerts exposent plusieurs de leurs facettes et se bernent l'un l'autre. Ils sont au top. Séduction, menace, torture, pour eux, tout est un moyen d'obtenir des informations. Les scènes de torture et d'entraînement sont assez réalistes et malaisantes, attention aux âmes sensibles. Au début du film, j'ai beaucoup aimé le montage alterné dans les 10 premières minutes, à la fois vif et limpide, c'est un concentré de tension. Néanmoins, seul défaut, c'est le traitement des deux camps qui est assez manichéen, et on en revient vite au cliché de la guerre froide. La question que se pose le film, c'est est-ce que l'on doit tout à sa patrie, et ce, jusqu'à sa vie. Si vous avez aimé ce film, je vous invite à regarder La Recrue de Roger Donaldson. D'ailleurs, comme le dit si bien dans le film Al Pacino, notre cause est juste, nos ennemis sont partout. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire, likez, partagez, on se retrouve très vite, salut !